Ici, pas de manifestation, mais le calme de la ferme expérimentale. Pour autant, ces élèves en reconversion professionnelle ne sont pas indifférents à ce qu'il se passe un peu plus loin sur les routes. Ça fait poser des questions, mais on a quand même envie d'y aller pour se sentir utile. Flora a été chargée de ressources humaines dans les Alpes-Maritimes. À 31 ans, elle a tout quitté et veut devenir éleveuse. Ils nous donnent les clés pour qu'on puisse arriver à nous en sortir. Et ils nous montrent que c'est possible. Nous, on a notre envie et on y croit. Et eux, ils nous poussent en ce sens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aucun doute. Lui non plus n'a pas douté. Jérémy a laissé derrière lui le monde du commerce automobile. C'est un retour à des valeurs, vraiment des choses simples. Vivre avec les saisons, vivre avec les animaux. Essayer de maîtriser des cycles de vie. Ouais, c'est un ensemble de choses comme ça. Au lycée agricole de Carmejane, il n'y a pas que des élèves en reconversion. Célia et Léa sont en terminale. Au forum des études supérieures, elles cherchent à pousser leurs études encore plus loin. Nous, on est intéressés par le BTS AXE. Ça nous oriente vers quel métier ? Alors, c'est les métiers de l'exploitant agricole. Moi, je serais prête à tout. Moi, je vais essayer de pousser mes études au maximum, approfondir tout ce que je peux approfondir, me former le plus possible, par exemple faire des formations homéopathiques, des choses comme ça. Issue d'une famille d'agriculteurs, Célia connaît les difficultés du métier, mais ne se voit pas faire autre chose. Pour elle, c'est inévitable, la profession doit se réinventer. Mon père est exploitant et il n'a pas les mêmes idées que moi, malgré qu'il soit jeune. On n'a pas la même vision des choses. Lui, il a plutôt une façon de penser très traditionnelle et plutôt ancienne. Et moi, j'ai plutôt envie d'évoluer. Je vois l'agriculture comment elle évolue aujourd'hui et je me dis que continuer comme ça, c'est pas mon envie, quoi. C'est pas dans mes centres d'intérêt. La filière agricole attire toujours plus. Ce lycée commence même à manquer de place. La société est en demande de retour à la nature, au processus de production. Chacun d'entre nous, on se rapproche des producteurs locaux. Et donc, il y a aussi cette envie de s'investir dans la production. Et les effectifs sont en hausse. Cette année, près de 500 élèves ont fait leur rentrée à Carmejane.